Les amis, c'est toujours Bikey187, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, voilà l'unboxing d'une partie, je dis bien, je précise bien, c'est qu'une petite partie des pièces que j'attends pour ma bande d'arcade. Donc là il me manque encore quelques petites choses, hein, donc il me manque encore exactement en fait le Raspberry. Il me manque encore l'ampli 12 volts, l'adaptateur HDMI VGA et le kit en bois qui a été envoyé. La Raspberry, ça normalement c'est en cours aussi, donc l'ampli aussi. Donc voilà. Donc nous allons commencer par ce colis qui a déjà été un petit peu ouvert parce que pour prendre accélérer un petit peu le travail. Donc la première chose que j'ai reçue, et c'est pas un détail, c'est pas un chargeur, mais c'est loin d'être un détail, c'est un donc, chargeur en micro USB. Comme vous pouvez le voir ici, voilà. Donc format manette PS4 en gros. Hein. Je dis que c'était pas un détail parce que en fait, il faut prendre un chargeur d'une extrême bonne qualité. Parce que vous pouvez avoir des chargeurs comme celui-ci, j'en ai vu à 3 €. Mais c'est des trucs chinois, donc en général, la qualité n'est pas trop fiable. Et pour le Raspberry, il faut quand même prévoir quelque chose de super fiable. Donc celui-ci, je l'ai payé un peu cher, je trouve. J'ai payé 8 balles. Ça aurait pas été pour un Raspberry, ça aurait été pour recharger une manette PS4 ou un truc dans le genre. J'aurais pris celui-là à 3 €, c'était largement suffisant. Quoi. Donc celui-ci, il fait exactement 5 volts 2 mA. C'est très important pour un minimum 2 mA. Bon, après, vous pouvez monter jusqu'à 3, mais pas au-delà, parce que au-delà, le Raspberry risque de cramer. Donc, le premier truc, le chargeur pour le Raspberry. Alors, ceci, c'est le fameux disque dur que je vous parlais l'autre jour, comme quoi pas mal de gens prennent des cartes SD 64 Go. Non seulement la carte SD 64 Go va bientôt disparaître, je sais pas pourquoi, mais enfin voilà. Donc Western Digital a tout simplement inventé un disque dur. Bon, c'est un disque dur tout à fait classique dans le sens que c'est un disque dur de PC portable en fait. Hein. Voilà, j'essaie d'ouvrir la boîte. Voilà. C'est relativement bien emballé. Bon, ça c'est la petite notice hein, qui explique comment se servir du disque dur, mais bon, celui qui ne sait pas comment fonctionne un disque dur, ça serait un peu dommage. Donc voilà le disque dur en lui-même. Je ne vais pas le sortir de son emballage anti-magnétique hein, parce que voilà. Donc c'est tout simplement un disque dur de tout ce qu'il y a de plus classique pour ordinateur portable en gros. Hein. Voilà, donc comme vous le voyez ici, c'est bien, hop, attendez, ici, voilà, 250 Go. Je l'ai payé 39 €, que la carte SD 64 Go coûtait 28 € avec les frais de livraison. Ici, c'est 39 € également avec les frais de livraison. Donc, pour la différence de prix, 10 €, je passe de 64 Go à 250. Donc, j'ai pas chipoté, j'ai vraiment pas chipoté. Je me suis renseigné aussi avant de l'acheter, voir un petit peu ce qui s'est... si c'était fiable ou pas et tout, pas mal de personnes m'ont dit que oui, surtout celui-là parce qu'il avait vraiment été configuré exprès pour le Raspberry. Donc la preuve ici, voilà, vous reconnaître, enfin ceux qui connaissent le Raspberry, ils vont tout simplement reconnaître le petit logo, la petite framboise de Raspberry. Alors ici c'est la carte SD, parce qu'il y a toujours une carte SD avec, c'est tout simplement les pilotes de mise à jour et de configuration du disque dur pour configurer par rapport au Raspberry, parce que le Raspberry tourne sur Linux en général. Bah après vous pouvez mettre autre chose hein, mais de base il tourne sur Linux, donc il faut une configuration spéciale, et ici tout est optimisé grâce à la carte SD et tout. Et le plus important, c'est le câble USB ici. C'est pas tout à fait un câble USB comme les autres, je vais vous montrer ça de suite, vous allez comprendre l'astuce. Hop. Voilà, comme vous voyez il y a 3 branchements. Voilà. Bon, ici c'est pour brancher. Bon, vous branchez vos disques durs ici, le raccordement, et ça c'est le nouveau format, comme vous voyez. Maintenant les machines digitales tournent avec ce format de fiche là. Désolé pour la mise au point. Enfin voilà. Ici c'est une fiche USB 3. Donc normalement vous devez le brancher au Raspberry, je pense. Ici c'est tout simplement la fiche d'alimentation, donc est toujours en USB, en micro USB, on est d'accord.
Et ici, vous avez encore un autre branchement. Voilà, un micro USB, mais femelle. Donc après ici, je sais pas trop comment ça se branche, il faut que je regarde sur les papiers et tout. Pour le branchement, parce que c'est des branchements assez spécifiques. Donc je vais regarder un peu vite fait la notice, voir un petit peu s'il m'explique comment brancher les câbles. Alors la notice, comme d'habitude, vous avez une tartine et voilà quoi. Alors, le temps de trouver le français. Bon, et le français il est où? Ouais, bon, bah apparemment c'est pas en français, enfin, c'est cool. Bon, bah ça je vous montrerai plus dans la vidéo consacrée au montage de la bande d'arcade, comment ça fonctionne et tout. Parce que moi-même ici pour le disque dur, je sais pas trop comment ça se branche. Enfin, bon, ça j'estime que ça se branche au disque dur, ça c'est classique. À mon avis, ce câble-là, il va aller directement sur le Raspberry en USB 3. Et à mon avis, ça c'est le côté alimentation qui sera bon. Soit que vous avez un chargeur comme je vous ai montré, mais en fiche femelle, donc vous branchez ça et vous regardez sur le chargeur, ou alors si vous avez un chargeur tout simplement mâle comme celui-ci, bah, vous branchez tout simplement classiquement dessus comme ceci. Et voilà quoi, vous voyez, ça fait le raccord. Et voilà. Bon, donc là pour l'instant. Nous allons ranger ça ici. Voilà. Donc avec la petite carte SD, hein, bien sûr, qui permettra d'enregistrer le. Enfin, de mettre les pilotes du Raspberry dessus. Est-ce que ça rentrerait là-dedans? Non. Alors ceci. Je vais pas tout prendre en mode après, hop, on va mettre là en attendant la notice. Voilà, voilà. Alors ensuite, un truc très important pour la bande d'arcade si vous voulez y jouer. Donc ça c'est le papier, ok. C'est tout simplement ok, ça c'est la notice explicative comment il faut faire pour le brancher. Donc comme je disais, bah, pour tout simplement pour jouer à la bande d'arcade, il vous faut les fameux boutons. Et voilà les fameux boutons. Donc je ne vais pas vous montrer tous les boutons qu'il y a, mais ce qu'il y en a quand même une chier, voilà, c'est les boutons, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, voilà, bouton poussoir, comme vous voyez ici, hop, voilà, donc il y a du bleu, il y a du vert, il y a du jaune, je pense, ouais, du jaune, du rouge, voilà, en rouge. Les jaunes. Et les verts, tout simplement. Tout emballé séparément dans chaque bouton est emballé séparément. Ça c'est relativement assez cool. Malgré bon, bah, après la pollution c'est un petit peu chiant, mais bon voilà quoi. Après tout est remis dans un grand plastique style de congélation, tout simplement. Ensuite, vous avez les boutons tout simplement un joueur et deux joueurs. Là c'est le même principe, hein, petit bouton pressoir, ouais, tout simplement.
Ici, c'est tout ce qui est au niveau connexion. Donc ça, les petits machins ici bleus, là, vous devez les brancher sur chaque bouton. Après, vous branchez tous les fils dessus. Et les petites cosses, je sais pas si vous verrez bien, voilà, ici, des cosses ici, là, tu vois. C'est tout simplement les boutons LED, pour éclairer les boutons. Donc rien de solution, quoi. Ensuite, ceci, ben, c'est tout simplement les analogiques. Voilà. Bon, après, je déballe pas parce que j'ai pas encore tout le matériel, donc je vais pas la monter tout de suite. Donc voilà. Alors, vous avez la petite boule qui se visse tout simplement ici au-dessus. Voilà. Donc, il y a. Je vous montre bien, il y en a bien deux. Voilà. Donc, ainsi que les deux boules. Pour les touches. Alors le plus important, ben c'est tous les câbles de branchement. Et ça, je peux vous assurer qu'il y en a, voilà, type branchement classique pour PC. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie. Voilà, la deuxième partie. Ça, c'est tout ce qui est raccordement des boutons entre eux. Voilà, ça, c'est ce qui va servir uniquement à raccorder les boutons entre eux. Et cela, ben, ce sera tout simplement ce qui va servir à raccorder les boutons, pas les boutons, mais les pads. Donc, les pads ici, voilà, ça. Voilà. Et tous les boutons, en fait, se raccordent. Sur ce petit objet qui est tout simplement une sorte de convertisseur, si vous voulez. Après, vous rebranchez ça en USB. Donc, vous voyez, vous prenez un câble USB d'imprimante avec les gros carrés à l'autre bout de l'USB et vous branchez le tout sur le Raspberry Pi. Voilà, comme ça, en gros, c'est super facile à faire. Donc, normalement, je devrais pas avoir trop de mal à le faire parce que c'est un truc que je n'ai jamais fait de ma vie. Donc, j'espère que je vais pas trop en chier quand même. Oh, ben attendez, regardez, ils m'ont même offert un petit cadeau. Petite sucette pour passer le temps de faire les branchements. Voilà, voilà. Bon, ah oui, ensuite ils fournissent également le câble USB façon imprimante, hein. Donc vous voyez, c'est le grand bout là, et vous avez la fiche USB tout simplement classique de l'autre côté. Voilà, ça coûte 65€ sur eBay. Qui est relativement pas très cher parce que c'est un très bon vendeur. Il y a pas mal de gens qui passent par lui pour acheter tout ce qui est borne d'arcade et tout ça. Et au niveau de ses notes, il est relativement bien noté et tout. Et l'envoi était quand même assez rapide, donc ça va. J'ai attendu à peu près deux semaines. Donc ça va, franchement, ça a été assez rapide. Ça a envoyé via UPS. En plus, il vous offre un petit tapis de souris en cadeau. En plus, il est vraiment stylé, Kenny. Ça, je kiffe. Dès que j'ai ouvert la boîte et que j'ai vu le tapis de souris, je dis ah putain, ça c'est excellent, quoi. Le petit Kenny, d'ailleurs, il va me servir là de suite maintenant. Voilà. Est-ce que ça fonctionne bien? Ouais, nickel, impec. Ben voilà pour le moment. Pour le moment, c'est tout ce qui concerne la bande d'arcade. Donc, comme je l'ai dit, il me manque encore tout simplement le Raspberry, l'ampli 12 volts. Donc, l'ampli, c'est ce qui va me permettre de brancher les enceintes dessus, tout simplement. Le câble HDMI qui repart en VGA. Donc, le câble HDMI, donc le côté HDMI se branche sur le Raspberry. Et le VGA, ce sera tout simplement pour brancher l'écran. Après, il me manque juste le kit en bois qui va me permettre d'installer les boutons. Installer l'écran, le Raspberry derrière, l'ampli derrière, et ainsi de suite. Et, ah oui, et les enceintes aussi qui me manquent. Mais ça, les enceintes et l'écran, je pensais reprendre, comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, je pensais reprendre mon écran 19 pouces. Mais vu que c'est un écran 16:9, je suis pas sûr qu'il va passer dans le kit en bois. Donc, si ça marche pas, et ben il faudra que j'attende fin juillet pour que je puisse commander donc un écran. Parce que le budget pour le moment, c'est un petit peu juste. Donc fin juillet, ben, je commanderai mon écran.
sur eBay, voilà quoi. Je prendrai un Dell, ils sont à 30€, des Dell 19 pouces, donc c'est pas très cher. Bon, c'est une bonne marque, donc voilà, voilà. Puis après, ben, il me restera juste les enceintes à trouver aussi. Mais ça, je pense pas les commander. Je pense que à mon avis, j'allais voir un ami qui tient une casse auto et récupérer deux bêtes enceintes arrière d'une bagnole. Et puis voilà quoi, 2 x 15 watts ou 2 x 20 watts, c'est largement suffisant pour une bonne barcade. Et ça me permettrait d'économiser un petit peu d'argent là-dessus encore. Donc, voilà. Et ben voilà, les amis, c'était le petit unboxing partie 1 pour la bonne d'arcade. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!